Bonjour à tous. Vous remercie d'avoir fait la réunion. Je sais pas si vous me voyez. Voilà. Ouais. Partout. Saint-Clair. Saint-Clair. Donc, oui, je crois que nous allons. Alors, c'est une émotion un petit peu particulière, hein, puisque ce n'est pas un moment. Avec les élus qui ont l'habitude de couper les rubans bleu, blanc, rouge en règle générale. Et donc là, il s'agit d'une barre de guerre, il s'agit de casser, hein, pour symboliser donc l'ouverture du site. Donc le plaisir d'accueillir beaucoup d'élus qui sont présents aujourd'hui. Donc Michel Morin, vice-président du conseil régional de la Bretagne pour la Société de l'Agglomération. Jacques Treff, président de la communauté de communes qui est vraiment aussi avec nous. Marie-Renée Auger, donc députée de la circonscription qui nous fait l'honneur de sa présence. Christian Foy, que j'ai à la voilà. Donc, président du conseil général de Côte-d'Armor et conseiller général du canton de Calac. Marie-Françoise Bouche, vice-présidente du Conseil général du ministère. Anne-Yves Wergrou, qui est juste derrière moi, donc qui est maire de Gaillon, et vice-présidente du Conseil général. Valérie Garcia, conseillère régionale. Jean-Yves Philippe, président du Conseil On parle d'un mouvement qui est à la fois à l'origine.
Mais très rapidement, beaucoup de personnes se sont donc installées à votre endroit pour vous permettre de faire aboutir ce projet. Ils l'ont fait parce qu'ils y croyaient également. Ils croyaient non seulement au contenu, et ce contenu est complexe, parce que l'histoire est simple, c'est épique, n'est pas une histoire simple. Il y a une partie de vérité historique, il y a une partie de légende, de mythologie, il y a une partie aussi d'imaginaire, et tout cela demandait effectivement une approche scientifique qui a été exigée d'ailleurs au niveau des études de la GD. Que parlait finalement le statut? Avec beaucoup de curiosité, parce que finalement. Une véritable fête, je veux dire, de l'Irlande, chez nos cousins d'à côté, c'est de se dire pourquoi nous en Bretagne, finalement, la Sainte-Yves, puisque jusqu'ici c'est un peu ce qui symbolise la fête des Bretons, mais trop peu probablement, eh bien, pourquoi nous n'avons pas, je veux dire, à l'image de la Saint-Patrick, une période de fête ici en Bretagne, où les initiatives appartiennent aux associations, aux groupes, de commencer par venir au projet, donner une âme, un visage, et plus que ça, une personnalité, aux cinq qui ont fait à la fois la Bretagne, même si on a recensé des centaines, c'est vrai que parfois on dit mille, bon peut-être. Et à partir du moment où il y a une partie d'imaginaire. Nous, mesdames et messieurs les conseillers généraux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents des pays touristiques, il peut sembler un peu paradoxal d'inaugurer aujourd'hui la Vallée des Saints, alors que nous sommes déjà depuis deux ans sur ce site d'une véritable aventure. Alors c'est une aventure qui n'était pas évidente au départ, puisqu'elle allait à contre-courant de toutes les idées reçues. Lancer une aventure qui repose sur la durée, puisque ses statuts sont appelés à un défi un peu fou. Et finalement, contre toute attente, eh bien ce qui était un projet est maintenant une réalité. La Vallée des Saints, donc notre véritable but, c'est de sauvegarder un patrimoine de culture populaire. Car les saints bretons dont il est fait mémoire ici ont existé pour la plupart. Ça a été des personnages de chair et de sang qui ont traversé la Manche à une certaine époque, au 5e, 6e siècle. Alors il y a bien. À côté de moi avec son téléphone. Je me suis permis de lui dire. Vous m'écoutez? Ouais, c'est bon. Le micro ne marche pas. Voilà. Pardon? Le micro ne marche pas ici. Oh, pas. Oh non, on va arriver à l'autre bout. Non, je parle fort, moi. Hein. Et puis comme ça, hé. Hey. Là, ça fait beaucoup de monde quand même. Hein. Tu parles fort. C'est grave. On a trop bien mangé ce midi. Non, on va quand même faire un petit peu un point historique. On appelle ça un peu la Bretagne. Évidemment, si quelqu'un vient de Haute-Savoie, il dit. Non, en breton, on peut voir si vous en ça, c'est bien là. Et si on fait la on va construire le tour qui est fait par la ville de Tarif. Mais là, c'est ça. Ça.
à un quart d'heure près du statut Corrigny. Parce que dans le contrevoir, on m'a rappelé qu'il n'y avait pas de souci. Il y a un manoir. Comme ça, au moins, on verra ce qu'il y a. Tu me reconnais. C'est bon, après. Alors donc, voilà, ici devant vous, voilà, je sais qu'on est trop drôle. Elle a accouché, mais il était laid, il était jeune, tout ce qu'on veut. Alors la sirène a dit, mais donnez-le-moi, elle a plongé dans l'eau, elle a ressorti, et ça nous a donné 500 sons. C'est ce qui est représenté là. Alors beaucoup me disent, lui, il a l'air de dire, elle est chinois. Et c'est vrai que, bon, non, mais ça c'est des trucs qu'on me dit, quand je fais beaucoup, mais je vais brider. Alors, il est très courant de dire que les, surtout les gens du côté de Quimper, à Valpé, du Coudaine, c'est du Coudain, ils ont tout ça. Et vous savez pourquoi? Alors ils vont vous dire, oui, c'était des navigateurs, ils allaient... Et donc avec vos lunettes, sans lunettes, quand il y a du vent, vous ne pouvez pas garder vos lunettes. Alors en face de vous, là-bas, vous avez le pôle, ça ne sert à rien. C'est pour ça que Philippe Armand et son équipe, quand ils sont venus, je crois qu'il y en a un, mais est-ce que c'est pas dans le camion pour qu'ils regardent hein. Ouais. Voilà. Allez, bisous. Bravo. Non, ni lui, non, dans les colombiers, c'est que...
Bon ben, on laisse libre cours à son imagination alors, hein. Ça va bien ? Allez, va. C'est la première fois que je viens depuis que j'ai posé comme ça là. Ah, bon. Bon. Ah, moi j'ai donné pour Et vous pouvez choisir le sculpteur que vous voulez, puis voir un petit peu le style que vous voulez mettre. Ouais. On voit l'André Barzac et Carmelette. Je suis en train de situer. Non, non, j'ai de l'âme. Ah non, 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 non. Non, elle a dit qu'elle a vu. C'est pour ça que vous voulez les tracteurs qui sont là. Ça va être le bouillon de 2 heures. Voilà. C'est pas une petite fête. C'est une les enfants arrivés à ne plus le faire sur le volet. Et oui, et oui, et oui, ça va, ça. On voit pas sur le statut, c'est une chose. Là. Voilà. Alors donc ici il est représenté, vous voyez, donc c'est sa cape, on dirait une cape de deuil de vieille bretonne. Ouais, hein, voilà. Voilà. Et derrière, donc vous avez encore comment on peut dire, une frise. Saint-Herbotte. Alors Saint-Herbotte est un saint qui était. Ah, pardon. Pardon, excusez-moi. Ah, oh, oui, la foule n'arrive. Oui, c'est bon. Ah oui, vous. C'est excellent, Jean-Paul. Alors, je suis ravi d'être venu. Comment ? C'est excellent. Voilà. Alors, 140 hectares, donc. Ici, c'est 40 hectares. C'est 40 hectares, ici. Hein, on est dans un pays où le vent arrive. Hein, il est quand même arc-bouté dans son chaos de rochers, vous voyez. Alors, évidemment, pour ceux qui découvrent pour la première fois ces statues, évidemment, l'idéal, c'était de venir au mois de juillet ou au mois d'août et de les voir travailler. D'abord, de voir le bloc comme il arrive. Et voilà. C'est
Oui. Ils ont quand même une maîtrise dans l'espace pour pouvoir sortir. Parce que c'est quand même pas dans la mie de pain, ni, hein, c'est quand même c'est dur. Hein. Ouais. Alors évidemment, les histoires de ça, je ne les connais pas, donc je ne les raconte pas. Hein. Ben oui. Ouais. Vous achetez, vous achèterez, je vous ai dit, le petit bouquin. Les blocs. Vous allez voir, c'est le rue du cul qui a mal vécu. Eh bien non, vous allez plus loin, vous verrez, c'est le chien d'Hervé. Évidemment, ça Hervé, il a une vie très, très mouvementée. Il avait monté le concile pour... Thank you.
Celtique a été chassé par le christianisme. À l'heure actuelle, le christianisme il est chassé par 440, je crois, non ? Alors, cette fontaine, donc, sûrement un culte antérieur au christianisme. Pour faire ce genre de rite, il faut s'appeler au moins Barthabas. Non, parce que. Hein ? À mon avis, parce que c'est pas évident. Hein. Mais non, non, enfin, moi, c'est bon, mon explication, je vous l'avance comme. Et la lingole là, comment la lingole à cette époque-là, on ne mettait pas du Roundup où il n'y a plus de ce qu'on appelle la biodiversité. À cette époque-là, il y en avait plein dedans. Ça fait pour François Léa ou pour Pierre de Fécondité. Voilà. Si vous vous retournez, vous voyez ce qu'il a inventé Philippe de Beaumanoir. Vous voyez qu'il y a trois fenêtres sur le chevet. C'était donc une manière de...